Comme Tom Brady en NFL, Vettel pourrait revenir en F1, selon Nico Rosberg. Rosberg, qui s'est retiré après avoir remporté le titre en 2016, a récemment été interrogé sur l'émission Any Drive on Monday pour savoir s'il regrettait lui-même d'avoir mis fin prématurément à sa carrière. Non, certainement pas, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire une rupture aussi nette et d'être vraiment satisfait de la façon dont ça s'est passé, ainsi que de la prochaine étape de ma vie. J'ai donc eu beaucoup de chance et je sais que mes fans ont été déçus que ça se produise, que ça se termine comme ça, mais nous avons quand même vécu des années formidables. Suggérant qu'il y a une chance pour que Vettel fasse un retour, il a ajouté « C'est très possible, Sébastien, avec une année de repos, il pourrait y avoir une grande opportunité dans une des équipes les plus performantes qui lui tendrait la main et lui dirait « Hey Seb, tu penses que tu pourrais revenir de nouveau ? Nous avons une voiture rapide. » Mais enfin, qui pourrait lui dire ça en fait ? Ça paraît tiré par les cheveux, Nico, quand même. Je suis sûr qu'il y réfléchira deux fois, il est toujours possible qu'il revienne. Faisant référence à la légende de la NFL, et cette fois vainqueur du Super Bowl, Tom Brady, qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison dernière pour faire volte-face 40 jours plus tard. Rosberg a ajouté « Regardez Tom, il avait pris sa décision de mettre fin à sa carrière, et un mois plus tard il est revenu chez les Buccaneers de Tampa Bay, sans même prendre une année sabbatique. Alors peut-être que Seb fera de même. » C'est pas comparable, non, clairement pas. Déjà c'est pas le même sport, et Vettel, si c'est barré, c'est aussi pour une fibre écologique et environnementale, donc bon, NFL... C'est pas la même chose, quoi. Ils roulent pas avec des moteurs polluants. Même si, évidemment, NFL aussi, quand ils vont se déplacer sur les matchs, c'est polluant. Mais bon, ils s'en foutent, Tom Brady, de ça. Donc, on peut pas trop comparer les deux. Hein. Je trouve que là, comparaison un peu biaisée. Ah, n'est-ce pas, Nico Rosberg ? Je pense pas que Vettel fera une Brady, hein, ça c'est clair. Après, dans quelques années, peut-être que, éventuellement, si quelqu'un lui propose un contrat alléchant, peut-être P2 Red Bull, allez. Une dernière année avec Red Bull, à la limite, ou un ou deux ans avec Red Bull pour finir vraiment sa carrière F1 de retour avec Verstappen en coéquipier. Vettel Verstappen, oh là là, ça serait épique. Bon, on verra bien ce qu'il décide. Allez, ciao.